Trajan Valoris, capitaine général, chef custodien premier des 10 000. Beaucoup déclarent que Trajan Valoris est le meilleur guerrier qui ait été élevé au rang de capitaine général, l'une des charges militaires les plus éminentes de l'Imperium. Valoris est responsable de la défense globale du système Sol, de Terra et de l'Empereur lui-même. Il a compté parmi les hauts seigneurs de Terra et a dirigé de grandes campagnes avec les 10 000. Ayant accompli 2 parties de chasse au cours de ses 10 premières années de service, Trajan Valoris semble avoir été marqué très tôt pour la grandeur. Tacticien hors pair et combattant agressif, il atteint rapidement le grade de custodien à la Russe. Au cours de cette période, il se distingue par ses actions héroïques, notamment en démantelant un réseau de Tuntis de l'Alpha Legion dans les systèmes de Darjon, en détruisant les usines de Mega Garlance et du gros mec Ivistomp et en empêchant le réveil d'un tombeau d'écran sur Zartan 7. Par la suite, Valoris sert pendant 22 ans chez les Compagnons, les gardes du corps de l'Empereur. Il est réaffecté en raison de son désir manifeste de combattre l'ennemi et d'identifier les menaces lointaines et non identifiées. Peu après, il devient capitaine rempart et passe plusieurs siècles à diriger des sorties depuis Terra. Reconnaissant que son agressivité est une arme à double tranchant, il affine son tempérament en associant délibérément sa férocité à une connaissance approfondie des théâtres d'opération, notamment en cultivant un réseau d'informateurs dans tout l'Imperium. Il est réputé pour l'observation de l'ennemi, prédire ses mouvements et porter un coup décisif au moment et à l'endroit optimal. Valoris est nommé capitaine général après la chute d'Andros Launcel et prend l'équipement lié à son nouveau titre, la hache du guetteur, une énorme arme d'ast et la plaque de Castellan, une armure comprenant un halo d'oramite et une cape en fine d'adamantine qui tombe comme du tissu mais résiste aux explosions comme aux lames. Il porte également le joug de l'instant, une relique du Moyen-Âge technologique qui capture des fragments d'énergie temporelle, ralentit le temps et extrait des fractions de secondes de l'histoire. Sous son égide, le nombre de parties de chasse est décuplé, les défenses des itinéraires warp stables vers Terra sont renforcées, le réseau d'espionnage des custodiens s'étend et d'innombrables menaces sur Terra et au-delà sont éliminées. Il rappelle même certaines sœurs du silence en secret avant le retour de Gulliman. Il donne presque l'impression d'anticiper le retour du Primarch dans l'Imperium. L'Adeptus Custodes n'a jamais été en meilleure position pour mener le combat qu'avec Valoris aux commandes. Certains suggèrent que le joug de l'instant lui confère une forme de précognition limitée, l'aidant à prendre les décisions les plus opportunes et les plus importantes. Quelle que soit la vérité, ses incroyables qualités de meneur, de guerrier et de décideur font de lui un chef idéal pour l'Adeptus Custodes à l'ère Indomitus.